Quelle histoire, on vient de la rivière Well. Apparemment qu'on vient de l'Europe, naturellement, comme la plupart des gens, là. Mais on a atterri apparemment à rivière Well, au Québec. Et puis là, de là, on s'en est ici. On n'a aucune racine acadienne, mais par contre, on est francophone. Ça, c'est l'influence du Québec, probablement. Et puis, les Acadiens qui ont venu s'installer ici aussi, là. Mais il reste que moi, je me sens pas de la culture acadienne, quoique je suis francophone, je suis fier de l'être. Mais d'autres, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'auparavant, on était élevé avec des anglophones. Ici, à un moment donné, c'était tout en anglais. Au point que j'avais seulement qu'un livre français à l'école, quand j'ai commencé l'école ici. Okay. Puis c'était la grammaire française. Point. Les mathématiques, toutes les autres matières, c'était tout en anglais. Et puis on a commencé dans une communauté comme ça, mais ce qui était à peu près 80 à 90 % anglophone, 20 % francophone, et justement l'inverse aujourd'hui, qui est à peu près 80 % francophone et 20 % anglophone. J'ai toujours enseigné à Grand-Sault. J'ai eu 32 ans. J'ai été 32 ans dans l'enseignement. Et puis comme ça, c'est ça au collège, quand je suis sorti, du collège, j'avais un bac en éducation. En même temps, j'enseignais, je me suis intéressé à la politique municipale. Et puis, j'ai mis mon nom comme conseiller. J'ai été 8 ans sur le conseil, 5 ans comme maire. Et puis, c'était vraiment intéressant. Et puis, ça, cette approche-là m'a amené à un moment donné à me présenter comme député, au niveau de la province. Et puis, j'étais à l'opposition pendant 4 ans, et puis ensuite de ça, au pouvoir, 3 ans et demi. Une expérience très intéressante. J'étais ministre aussi de l'agriculture pour la province. Et moi, j'ai l'impression que j'avais ça un peu dans le sang, parce que même quand j'étais au collège, j'étais président de la classe retour. Puis on prend notre place au niveau de l'économie aussi, puis au niveau de la place des affaires. Tu sais, avant, écoute, tu pouvais pas entrer dans un magasin ici en ville, puis parler en français. C'est impossible. Tu ne pouvais pas te faire servir en français, là. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Tu peux aller n'importe où, puis si tu parles français, c'est naturel, puis c'est normal, puis on doit prendre notre place. Mais pas au détriment des anglophones. La ville comme telle, on est à peu près 5 008. Ce qui est remarquable à Grand-Sault, c'est le nombre de commerces familiales. On a gardé cet esprit familial-là, puis heureusement, parce que là, de père en fils, ça s'est continué. Moi, je ne vois pas, mais je trouve que c'était vraiment une belle place pour venir à un moment donné, juste pour se retirer. C'est une belle grosseur de municipalité, de ville. On a des infrastructures qui sont quand même assez modernes. L'hôtel de ville, on a rénové l'hôpital. Et puis le centre civique, c'est quand même un centre au coût de 15 millions pour une petite place comme ça. C'est pour la place, c'est un des plus beaux centres qu'il n'y a pas dans la province. Puis c'est difficile à dire ce que nous réserve l'avenir, mais moi, je trouve qu'on est bien. L'économie est quand même une certaine stabilité. C'est agréable parce que c'est sûr et certain qu'on a subi la crise économique comme tout le monde, mais pas au point de perdre nos entreprises.